Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller 85. J'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui et encore plus à l'approche des fêtes de Noël. Merci à vous d'être là, merci encore de me suivre. Ça y est, j'ai enfin terminé d'installer mon système Reolink 4 caméras de surveillance, comme vous pouvez le voir là-haut, mais vous allez le voir un petit peu mieux très très vite bien sûr. Donc, pas que ce soit super facile, je vais pas dire ça parce que c'est pas vrai. Il faut être un minimum bricoleur quand même. Il va falloir que vous puissiez passer des câbles et faire quelques trous pour installer vos caméras. Alors soit dans un mur, soit dans une gouttière métallique, soit dans une descente en aluminium, peu importe. Bref, débrouillez-vous, vous avez les patrons pour percer vos trous à la limite, ou moi j'en ai fixé quelques-unes directement avec de la vis inox, de la vis auto-perforante. Bref, je ne vais pas vous faire un tuto sur comment installer les caméras, on n'est pas là pour faire du, entre guillemets, du bricolage dans la maison. Donc, ceux qui ne sont pas capables de faire ça, soit vous vous munissez d'un ami qui peut vous aider, soit vous n'achetez pas ce système-là tout simplement, ou alors passez par un professionnel pour l'installer, pourquoi pas, vu que l'investissement n'est pas énorme, contrairement à si vous passez par un système complet d'installateur qui va vous vendre son système de surveillance. Donc à vous de voir au niveau de l'installation. Donc moi je suis un petit peu bricoleur, donc je m'en suis sorti assez facilement quand même. Mais il y a quelques étapes à respecter. Si vous respectez ces quelques étapes, c'est beaucoup plus simple. Donc bien évidemment, il va falloir que vous choisissiez les emplacements pour pouvoir positionner vos caméras stratégiquement, selon votre domicile bien sûr. Évitez de filmer chez les voisins par exemple, évitez de filmer un mur par exemple, évitez de fixer directement sur une source lumineuse par exemple, pour éviter d'avoir un mauvais rendu sur la caméra. Bref, moi je suis super content de ce système, il est hyper complet, il est rapide, il est super net, les images sont très très propres, on dépasse le Full HD 1920 par 1080, on est bien au-dessus ça. Donc franchement voilà, c'est un système dont je suis super content par rapport à ce que j'avais avant en Wi-Fi, c'est le jour et la nuit. Donc allez pas me vanter les mérites des systèmes Wi-Fi parce que moi j'ai testé et j'avais un bon système Wi-Fi et j'ai la fibre à la maison, donc ça marche bien aussi au niveau de la bande passante. Mais le problème c'est que voilà, la Wi-Fi ça crée des parasites, ça crée des latences, vous avez un truc qui bouge dehors et hop ça bouge après à la maison ou un peu plus tard, donc vous n'avez pas le rendu direct, et il y a toujours des moments où je ne trouve pas la caméra, signal perdu, ce genre de choses. Même si c'est rare, ça arrive. Et encore une fois, il faut des cartes mémoire dans les caméras, et il faut utiliser de la carte mémoire. Les cartes mémoire, ça s'use. D'ailleurs, j'ai dû en changer. En moins d'un an, j'ai dû changer une fois de carte mémoire qui était corrompue à force d'enregistrer, de réenregistrer. Bref, j'en suis revenu, et le système filaire, c'est vraiment... j'ai envie de dire le plus fiable, ça c'est sûr et certain, et le moins, j'ai envie de dire, piratable. Voilà, on peut pas se connecter sur vos câbles, alors que le système Wi-Fi, ça peut être brouillé. Bref, donc les étapes à respecter pour installer ce petit système de 4 caméras de surveillance, c'est assez simple. Moi j'ai déjà branché mes 4 caméras sur le NVR directement pour pouvoir faire ma configuration. Pourquoi je fais ça? Plutôt que d'installer d'abord les caméras et ensuite faire la config, c'est, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple parce que ce système de 4 caméras de surveillance Reolink permet d'avoir le retour en passant directement par le NVR, directement sur un moniteur en HDMI, mais vous pouvez l'avoir également sur votre PC avec le logiciel Reolink qui est sur le site Reolink. Si vous voulez le lien, je vous le donnerai ou je mettrai dans la description. Et permet aussi d'avoir le retour sur une application Reolink également. Chose qu'on va voir tout de suite ensemble. Donc moi j'ai branché mes 4 caméras directement et je suis allé faire la configuration. Donc on va aller voir ça ensemble après directement sur l'écran. J'irai mettre la GoPro sur l'écran pour que vous voyez directement ce que ça donne. J'espère que le rendu sera suffisant. C'est simplement pour vous aider dans les paramétrages. Et ensuite je me disais ça va être super compliqué. C'est ce qu'on m'a dit aussi dans les commentaires de régler les paramètres réseau. Pas du tout. C'est pas compliqué, vous avez toutes les infos, vous avez deux choses à faire et c'est vraiment très simple. Donc première chose que vous devrez faire, voilà, branchez vos 4 caméras et allez paramétrer sur votre télévision, enfin sur le NVR avec la souris fournie. Ça, on va le voir ensemble juste après. Donc faites ça en premier. Ensuite, téléchargez l'application Reolink. On va ouvrir le système Reolink.
et la première fois que vous allez vous connecter au système, il va vous demander si vous autorisez, bien sûr, pour les notifications et les photos, donc vous dites oui, voilà. Et la première fois que vous allez vous connecter au réseau Reolinked, voilà, on va sortir, il va vous demander le nom d'utilisateur et le mot de passe. Moi, c'est déjà fait, donc forcément, je n'ai pas à le refaire. L'utilisateur, c'est simple, c'est admin. ADMIN, et quand vous paramétrez au départ sur votre NVR, donc sur la télévision, sur votre moniteur, vous allez créer un mot de passe, voilà, à 4 chiffres ou à 6 chiffres, votre date de naissance, ce que vous voulez, on s'en fiche, c'est pour la première connexion. Moi ensuite j'ai supprimé le mot de passe sur le NVR, ça évite à chaque fois de le retaper pour le mettre en route, tout simplement. Mais vous créez un mot de passe, voilà. Une fois que c'est fait, vous allez dans l'application, il va vous demander admin plus mot de passe, donc vous mettez le mot de passe que vous avez créé et vous lancez. Et automatiquement, vous aurez le retour de vos 4 caméras. Voilà, donc c'est instantané, c'est direct et il y a beaucoup, beaucoup de fonctions. Allez, je peux vous le mettre en grand écran directement ici. Vous avez même, tac, on va revenir, une autre fonction en glissant ici sur le côté. Non, là c'est pour avoir accès à d'autres caméras puisqu'on peut en mettre jusqu'à 8. Hop, en glissant la totalité, vous avez vos 4 caméras réparties directement sur grand écran ici. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et sur l'application, eh bien, vous pouvez avoir des alarmes. Vous pouvez enregistrer également sur l'application. Vous allez pouvoir recevoir, ça se paramètre sur l'écran, vous allez pouvoir recevoir un email avec soit une photo qui a été déclenchée au moment de l'intrusion, soit une petite vidéo, pareil, au moment de l'intrusion. Vous allez pouvoir régler énormément de choses. Mais donc cette application vous permet de pouvoir communiquer avec votre NVR et avoir accès à pas mal de fonctions également. Vous allez pouvoir avoir chaque caméra, bien sûr, en indépendante et en grand écran ici. Vous allez pouvoir zoomer dans les caméras, tout comme sur le NVR, pour aller chercher des points de détail. Donc bien sûr, forcément, on perd un peu en résolution quand on zoome trop. Mais sachant qu'on est déjà en 2500 par je sais plus trop quoi en résolution, vous allez voir que la netteté y est quand même pas mal. Donc vous pouvez avoir les 4 caméras, vous pouvez en avoir qu'une si vous voulez, ça vous le sélectionnez ici tout simplement. Vous pouvez avoir jusqu'à 9 écrans différents, donc 8 caméras différentes en même temps. Vous pouvez avoir accès, hop, je vais remettre en 4 caméras, vous pouvez avoir accès au son. Hop, ici, j'active le son, soit indépendamment par caméra, soit vous pouvez avoir le son des 4 caméras mélangées. Ici, ça on peut le choisir bien sûr sur le NVR et sur l'écran de PC aussi. Je pensais qu'il n'y avait pas l'audio, mais en fait il n'y a pas la communication audio. Ça veut dire que vous ne pouvez pas parler et que ça s'entende dans la caméra comme certaines caméras sont équipées, plus des caméras de porte par exemple. Mais ce qu'on veut, c'est surtout entendre ce qui se passe plutôt que de pouvoir communiquer. Là, c'est ce qui nous intéresse. Mais donc vous avez l'audio et j'ai été surpris par la qualité de l'audio. Voilà, c'est vraiment costaud par rapport à l'audio que j'avais sur les caméras Wi-Fi. Grillé. Encore une fois, où là, il y a encore des grosses saccades, vous n'avez pas tout, dès qu'il y a un petit peu de vent, bah, ça coupe le son. Alors que là, on a le vent, on l'entend, mais ça n'empêche pas d'entendre le son quand même. C'est vraiment l'avantage du filaire, quoi. Donc, pourquoi paramétrer l'application en premier? Bah, c'est tout simple. C'est qu'une fois que vous aurez branché vos 4 caméras, imaginez-vous bien que votre moniteur, il est dans la maison. J'imagine bien que vous n'avez pas le transporter avec vous. Vous allez grimper sur votre escabeau ou sur votre échelle pour aller installer votre caméra. Vous allez la régler à peu près. Vous allez redescendre pour aller voir au moniteur comment elle est orientée. Ah, ça va pas très bien, faut que je remonte à l'échelle et je re-règle ma caméra. C'est pas le top. Alors que là, une fois que vous avez votre application et vos caméras qui ont déjà été branchées, quand vous allez grimper à votre échelle, il vous suffit d'avoir votre smartphone avec vous ou votre tablette et vous allez pouvoir orienter votre caméra tout en regardant directement sur l'application pour voir si votre caméra est bien orientée. Voilà, tout simplement. Donc l'application va vous servir aussi durant l'installation, ça va vous faciliter grandement les choses selon moi. C'est ce que j'ai fait, j'ai pas eu besoin de grimper plusieurs fois pour aller orienter mes caméras. Donc moi c'est une petite maison de plein pied. Donc c'est assez simple, mais imaginez pour ceux à qui ça demande du boulot, voire un échafaudage pour aller régler une caméra. Une fois qu'on y est, on a envie de la régler et de ne plus y retoucher. Vous réglez votre cam, vous la serrez. Ça, je vous ai expliqué dans la première vidéo. Tiens, je remettrai tac, le lien de la première vidéo où je décris un petit peu l'ensemble 4 caméras. Donc voilà, l'application vous permet d'enregistrer
soit de lancer l'enregistrement sur le NVR. Ça vous permet aussi d'enregistrer sur votre application directement. Vous êtes en vacances, vous allez pouvoir surveiller. Vous êtes dans votre chambre, le moniteur est dans la salle à manger ou dans le salon ou dans une pièce à part. Vous pouvez emmener votre tablette avec vous dans la chambre et avoir ça posé sur la table de chevet. À tout moment, vous vous réveillez, vous pouvez jeter un œil sur vos caméras de surveillance. Donc ça, c'est vraiment plutôt sympa aussi. Donc tablette ou téléphone, bien sûr. Un autre petit truc qui est sympa avec l'application, ça je vais vous montrer sur le téléphone, je ne l'ai pas sur l'iPad, mais je l'ai sur mon téléphone, vous allez voir. Donc je lance le système Reolink, donc c'est super rapide, automatiquement j'ai mes caméras, et là je vais sélectionner la caméra extérieure, donc celle du parking, et je vais cliquer sur ce petit encart ici, tout en haut, voilà, et je vais avoir, tac, ce petit encart là, donc là je suis ressorti de l'application Reolink, mais à tout moment j'ai la possibilité d'avoir ma caméra de surveillance en live au-dessus de n'importe quelle application. Là, si je lance une application au hasard, par exemple le Play Store, je garde la caméra de surveillance ici que je peux déplacer, bien sûr, que je peux mettre où je veux, si ça me gêne pour regarder un petit peu ce que je veux voir sur mon appli. Et à tout moment, donc je peux l'agrandir un petit peu, si je clique deux fois dessus, je rouvre l'application et je reviens sur l'application Reolink. Donc ça, c'est un petit plus que je trouve vraiment sympa aussi. Et surtout, pas de bug, pas d'interférence, pas de signal lost. Si vous avez un signal lost, c'est que quelqu'un a coupé votre fil. Donc, planquez bien vos fils. Bon, est-ce qu'on n'irait pas voir un petit peu comment ça se passe au niveau de la programmation, des paramétrages? Et ensuite, on finira par aller jeter un œil sur le PC, sur l'application Reolink qui s'installe sur le PC directement, que ce soit sur Windows ou sur iOS, bien sûr. Les deux sont à télécharger directement sur le site Reolink. Je mettrai les liens en description, bien sûr. Allez, c'est parti. J'installe la GoPro sur la télé et je vous explique comment ça fonctionne pour paramétrer tout ça et les options auxquelles on a accès, et vous allez voir, il y en a un paquet. Allez, c'est parti. Donc comme vous le voyez, donc là j'ai la souris Reolink entre les mains qui est reliée directement au NVR. Donc la première fois que vous allez vous connecter, hop, je clique droit ici et je viens sur le menu. Comme je vous l'ai dit, rentrez un administrateur, un admin et un mot de passe. Donc vous tapez votre mot de passe et ensuite vous aurez accès à ce petit tableau directement. Donc si vous avez branché vos 4 caméras, eh bien vous verrez vos 4 caméras. Donc pas forcément 1, 2, 3, 4, parce que ça dépend où vous branchez les caméras derrière votre système Reolink. Même si c'est marqué 1, 2, 3, 4, des fois ça correspond au 6, au 7. Moi ce sont les caméras 1, 2, 6 et 7 qui sont les 4 caméras qu'on voit là. Mais après on peut déplacer les cams, on peut leur donner le nom qu'on veut, donc ça ne pose vraiment aucun souci. Donc voilà, là on a accès à toutes les caméras qui sont branchées, auxquelles j'ai donné un nom, donc cabanon, entrée, parking, terrasse, ici, et on voit que les 4 sont actives, alors que les autres sont hors ligne, puisqu'il n'y en a pas d'autres. Donc ça, c'est le canal IP. Donc bien sûr, en premier, vous allez venir dans système ici. Oh tiens, voilà du monde qui arrive. Donc vous allez dans système ici, vous mettez en français, vous verrez, tout n'est pas en français, mais la plupart des menus sont en français. Standard NTSC, Greenwich, le format de la date et de l'heure, bien sûr, ça se mettra à l'heure automatiquement, puisque moi je l'ai branché directement sur le Wi-Fi. Là encore une fois c'est pareil, je n'ai pas eu d'appairage à faire ou de paramètres à rentrer, puisque je suis branché à ma box directement en câble. Donc ça se connecte automatiquement sur le système de la box. Donc activer le mot de passe, moi je l'ai désactivé pour maintenant, puisque sinon il vous le réclame souvent quand vous sortez de veille ou que vous voulez faire une programmation. Et le nom du dispositif, c'est NVR, vous pouvez le changer, mais moi je l'ai laissé comme ça. Donc à chaque fois qu'on applique, quand on a des modifications à changer, vous voyez c'est pas en français là pour la vérification, mais ça on s'en fiche. Donc une fois que vous avez réglé votre système, vous allez avoir accès à tout le reste. Donc le nom de la caméra, la prévisualisation, montrer le nom du canal, donc ça c'est le nom qu'on voit en bas à chaque fois, ici de chaque caméra, montrer la date bien sûr qui est affichée ici, la date et l'heure, pareil j'ai mis en français mais vous voyez le jour reste en anglais, ça on s'en fiche un peu aussi. Display watermarking, ça c'est si vous voulez qu'on voit le système Reolink qui s'affiche ici, vous voyez si je fais ça et que j'applique ici, ok, voilà, et là je suis sur la caméra 1, donc la caméra 1, je ressors, voilà, on a le système Reolink qui se met ici en surbrillance, donc ça on s'en fiche un peu. Donc moi je retire, voilà.
Position de l'affichage, donc ça c'est sympa aussi, vous pouvez déplacer tout ce que vous voulez, vous cliquez là-dessus, vous pouvez prendre votre, hop, votre cabanon et le mettre où vous voulez. Donc là je sais pas si vous l'entendrez, mais là j'ai le son du vent à l'extérieur quand je clique sur cette caméra. Donc clic droit, sauver, hop, et je reviens ici. Donc on peut changer les emplacements d'OSD, paramètres de la vidéo, ça c'est luminosité, contraste, etc. On peut ressortir, disposition de domaine, on s'en fiche, paramètres de caméra, établir, ça bien sûr c'est pour aussi d'autres paramètres, mode d'exposition, anti-satillement, jour, nuit, contre-jour, etc. Elle passe automatiquement en mode nuit, bien sûr, en infrarouge, hop, donc je peux annuler. Et voilà pour tous les paramètres des caméras. Ensuite, dans le mode sortie, vous allez choisir votre résolution VGA. Vous voyez, moi je suis en 1920 par 1080, c'est largement suffisant pour l'écran que j'ai. J'aurais un plus grand écran, je mettrais plus de résolution. Donc transparence, sensibilité de la souris, ajustement des bords, transparence de l'OSD bien sûr. Ajustement des bords, si ça tombe pas juste, vous pouvez réduire les bords tout simplement. Prévision audio, ça c'est si vous voulez entendre le son de chaque caméra que vous pouvez activer et désactiver. Donc des options pas forcément indispensables, mais vous pouvez venir jeter un œil. Moi personnellement, j'ai jeté un œil à tout directement. Ensuite, enregistrement. Donc là, c'est quand vous choisissez votre caméra. Donc moi, c'est l'analogique 1, la 2. Si vous tombez sur la mauvaise, hop, il n'y a rien. Vous voyez, la 6 ici et la 7. Donc vous choisissez votre caméra, moi j'ai mis l'audio, paramètres du flux principal, donc on 2560 par 1920, et le sous-flux, ça c'est ce que vous allez envoyer par mail, la sauvegarde des vidéos, beaucoup plus légère bien sûr. Donc vous pouvez paramétrer chaque caméra, vous avez les options ici, donc là j'y ai pas touché, pas vraiment d'importance, et les plans d'enregistrement, donc là je vais désactiver, tac. Si par exemple je ne veux pas enregistrer le dimanche, je prends rien ici et j'enlève le dimanche ici. Voilà, là c'est en normal. Et tout le dimanche, je n'enregistrerai pas. Là je vais mettre en normal ici et je vais enregistrer toute la semaine. Si vous voulez que par exemple sur cette caméra analogique 1, il y ait la détection de mouvement le lundi, et ben vous prenez Motion et vous mettez le lundi détection de mouvement par exemple. À vous de tester un petit peu tout. Donc moi j'ai mis en enregistrement total tout le temps, mais ça n'empêche pas de mettre en plus des enregistrements de mouvement par moment, vous allez voir, et on active bien sûr et on applique. Voilà, donc ça ce sont les plans d'enregistrement. Par exemple, cette caméra là peut enregistrer que quand il y a du mouvement, cette caméra là peut enregistrer en permanence, cette caméra là peut enregistrer que lundi. Vous l'avez compris, chaque caméra est programmable directement d'ici. Ensuite, rechercher, ça c'est pour aller voir des vidéos que vous avez enregistrées. Donc par exemple, si je veux voir mes quatre caméras, donc je vais sélectionner mes quatre caméras, 1, 2, 6, 7, tous les types de vidéos, sinon je peux choisir les enregistrements manuels, quand il y a eu du mouvement, etc. Donc là, je vais prendre tous les types, et je vais sélectionner une heure de début. Donc par exemple, aujourd'hui, on va aller voir cette nuit. Donc je vais commencer à 4h du matin, hop, et je vais arrêter à 5h du matin, par exemple. On va regarder ce qui s'est passé de 4h, tac, à 5h du matin. Hop, je fais jouer directement, et là, vous voyez, il est bien 4h du matin. Là, j'ai l'enregistrement de 4h du matin à 5h du matin directement sur cette bande. À tout moment, je peux avancer, donc venir à 4h30. On peut faire pause, on peut faire une accélération, une lecture rapide. Et on peut également couper des scènes si vous voulez sauvegarder. Donc là, vous mettez une clé USB dans votre NVR directement. Et par exemple, donc là, on va faire pause. Ça nous intéresse, on va dire qu'il s'est passé quelque chose. Je vais faire couper. Ici, je vais sélectionner une partie, donc de 4h30 à 4h35, par exemple, là, et je vais faire enregistrement, ici. Donc là, bien sûr, je n'ai pas de clé USB dans mon NVR, mais si vous branchez une clé USB, vous aurez accès, bien sûr, ici à sauvegarde. Donc là, veuillez insérer un disque USB. Et il va vous sauvegarder cette partie de 5 minutes. Si par exemple vous voulez montrer une partie de 5 minutes à la gendarmerie ou ce genre de choses, vous pouvez sauvegarder des parties. Donc pas mal de choses à faire. Toc. Donc je peux ressortir d'ici. Donc pour ça, clic droit, toujours, et sortir. Donc bien sûr, on peut venir zoomer à chaque fois, hein, comme je vous l'ai dit,
que ce soit dans le mode direct ou en mode prévisualisation, en mode enregistrement, vous voyez, je vais faire clic droit sur, je vais faire clic normal sur la vidéo ici, et je vais avoir à chaque fois un petit menu qui s'affiche par vidéo. Donc là, je clique sur la vidéo, je vais activer le son, par exemple. Voilà, donc là, j'ai le son de la vidéo et je vais faire zoom ici. Donc, il me met la vidéo en grand et là, je peux cliquer sur zoom et venir déplacer ma vidéo pour chercher. Bon, je peux zoomer encore, hein, voyez. On peut zoomer 6 fois pour chercher des points de détail, aller voir une plaque d'immatriculation ou ce genre de choses. Hop, et là, je ressors. Directement. Donc clic droit, je retourne dans le menu et on en était ici. Donc voilà, ça c'est pour rechercher et visionner tout ce que vous avez sauvegardé. Donc sauvegarde, ça c'est ce que vous avez sauvegardé. Événement, ça c'est quand il y a eu du mouvement, quand vous avez présélectionné un mouvement. Donc par exemple, je vais vous montrer comment présélectionner un mouvement. Non, juste avant, on va faire réseau ici. Voilà, alors bien sûr, moi c'est un petit peu brouillé pour pas que vous voyez tous les détails et, toutes mes adresses IP. Mais en fait, voilà, quand vous allez paramétrer votre PC, la seule chose qu'ils vont vous demander, c'est le nom, donc admin, NVR, le nom de l'appareil, et l'adresse IP. Et en fait, l'adresse IP, ce sera celle ici, l'adresse IP qui est là, que vous devrez mettre sur votre PC pour qu'il retrouve votre NVR. Et l'autre chose qu'il va vous demander, c'est le port. Et le port, vous allez aller dans avancer ici et vous allez cliquer sur port setting, hop, et ce sera 9000 ici, le premier port que vous voyez là. Donc c'est les seules informations que vous aurez besoin quand vous allez programmer votre logiciel sur le PC, tout simplement. Sinon, tout le reste, je n'ai rien touché, tout se fait automatiquement. La seule chose que j'ai réglée, c'est mon email ici, déterminé, j'ai rentré mon email. Le SMTP, il me l'a trouvé tout seul parce que c'est du live.fr. Si vous êtes Gmail, il va vous proposer hop, le Gmail, tout simplement le gmail.com. J'ai rentré mon adresse, le mot de passe de ma messagerie et une autre adresse email sur laquelle je veux envoyer les vidéos sauvegardées ou les vidéos d'alarme, tout simplement. Hop, donc ça c'est fait. Et c'est la seule chose que vous aurez, donc ça c'est l'état du network, on s'en fiche. C'est la seule chose que vous aurez à régler, c'est votre adresse email ainsi que votre mot de passe. Sinon tout se fait automatiquement dès que vous êtes branché par câble RGB à votre livebox tout simplement, à votre box. Donc alarme ici, ça c'est quand vous voulez justement programmer une détection. Motion detection, donc là je détermine, donc là c'est, vous voyez je suis sur le cabanon, donc là je vais déterminer ce que je veux. Donc on peut tout retirer au départ, hop, ici. Et les carrés rouges, ça va être l'endroit que je veux détecter en motion. On n'est pas obligé de prendre toute la caméra. Donc vous sélectionnez l'endroit que vous voulez détecter, tout simplement. Et ensuite, clic droit, sauver. Alors vous pouvez régler la sensibilité, bien sûr. À vous de voir quand vous voulez que ça se déclenche, faites des essais. Hop, le scheduler, donc ça, bien sûr, là c'est pour savoir quel jour. Quand est-ce que vous voulez que ça se déclenche? Donc là, si vous laissez tout, ça veut dire que ce sera toute la semaine comme ça. Tac. Et le traitement, ici. Si vous voulez un bip sonore quand il y a quelque chose de détecté, vous cliquez ici. Si vous voulez que ça envoie un mail, vous cliquez ici. Et donc, vous allez devoir configurer le mail comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc le port s'est mis tout seul, ça s'est mis tout seul. J'ai rentré mon adresse mail que j'utilise pour envoyer avec le mot de passe. Et j'ai rentré l'adresse mail à laquelle je veux envoyer. Ensuite, on peut même mettre une autre adresse mail. Ensuite, j'ai choisi une vidéo ou rien ou une photo. Donc moi, j'ai choisi une vidéo. Et l'intervalle de snap, c'est 1 minute. Donc là, j'ai appliqué. Voilà. Et c'est bien sur la caméra 7. Mais on peut le faire sur toutes les caméras. Et donc là, j'applique. Et maintenant, je peux ressortir. Donc, regardez bien la caméra, la porte d'entrée. Bon, je pense que c'était clair, je l'ai entendu aussi, vous l'avez entendu. Donc comme vous l'avez vu, ça lance un bip, donc c'est sonore, et en même temps, ça m'a envoyé un email directement sur ma boîte mail. On va le voir tout à l'heure, je pense, avec le petit bout de fichier où je fais le cacou devant la caméra. Donc voilà encore une des options possibles.
Vidéo perdue et exception. Ça, c'est si vous voulez mettre une alarme quand le disque dur est complet ou quand il y a une erreur sur le disque dur, déconnexion du réseau, etc. Moi, j'ai mis une alarme quand le disque dur est complet. Ensuite, Device, Device. Ça, c'est pour vous montrer la capacité de votre disque dur et à combien il en est en ce moment. Et vous pouvez le formater, non pas le formaliser. Système, ici, ça, on l'a vu tout à l'heure, c'est vos programmations, vos options. Utilisateur, donc admin, comme je vous l'ai dit, ça sera mis déjà d'origine, il n'y a rien à changer. Information, ça c'est sur votre NVR. Et l'entretien, ça se met automatiquement, vous n'êtes pas obligé. Mais tous les dimanches à 2h du matin, je fais un reboot de l'appareil pour tout remettre à jour tout simplement. Voilà, on a fait le tour des options. Ici pour les programmations, hop, clic droit. Et sinon, sur chaque vidéo, comme je vous l'ai dit, on peut mettre le son ou l'enlever. Ici, je l'ai supprimé. On peut le mettre en enregistrement permanent, on peut le mettre en enregistrement manuel. Vous pouvez vraiment faire tout un tas de choses, c'est impressionnant. Le nombre d'options, hop. Donc là, il m'a signalé une erreur parce qu'il y a eu une alarme qui s'est déclenchée. Donc ça me permet moi d'aller vérifier les alarmes tout simplement. Donc voilà toutes les possibilités de ce petit engin, c'est vraiment impressionnant. Après, il faut vraiment creuser, prendre le temps de chaque option, voir si vous voulez mettre des détecteurs de mouvement ou pas, etc. C'est vraiment hyper complet. Donc j'espère que vous aurez compris. On va se retrouver tout de suite sur le PC pour aller voir le logiciel Reolink. Donc c'est parti, on se retrouve encore une fois devant les quatre caméras. Vous commencez à les connaître maintenant. Moi, ça fait vraiment tout le tour de ma maison. Donc je suis un peu tranquille et je surveille mon cabanon. Il n'y a pas grand chose dedans, mais je surveille mon cabanon. Donc voilà, on se retrouve sur le logiciel. Donc l'appareil super simple à programmer. Vous le téléchargez sur la page Reolink, bien sûr. Et au tout départ, vous n'aurez pas tout ça tout de suite, bien sûr. Vous aurez, hop, ajouté un dispositif. Donc voilà le plus compliqué à faire et vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Vous devrez rentrer le nom. Donc là, le nom, c'est NVR. Donc vous allez taper tout simplement NVR ici. Le port média, je vous l'ai dit, c'est 9000 pour moi, puisque je vous ai montré comment aller dans port tout à l'heure. Donc vous prenez ce port-là. Si vous, c'est 8000, vous mettez 8000, mais je pense que c'est 9000 pour tout le monde. Ensuite, l'adresse IP. Donc l'adresse IP, c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Quand vous allez dans les paramètres réseau, vous prenez l'adresse IP que je vous ai montré à l'endroit où je vous l'ai montré. Le nom, c'est admin, toujours. Et le mot de passe, c'est le mot de passe que vous avez, hop, que vous avez programmé quand vous avez enregistré votre NVR au tout début. C'est encore une fois le même mot de passe. Et vous allez cliquer OK et vous allez voir votre NVR apparaître. Et automatiquement, la fenêtre partira et vous aurez vos caméras qui vont s'afficher. Alors, si quelquefois vous n'avez pas toutes les caméras, c'est tout à fait possible parce que, comme je vous l'ai montré, moi c'est le canal 1, 2, 6 et 7. C'est pas le 1, 2, 3, 4. Ça veut dire qu'au début, j'avais que deux caméras parce que la 6 et la 7 étaient ailleurs. Il suffira simplement de cliquer ici. Vous le voyez ? Non, vous le voyez pas. Je vais retirer mon overlay. Touille, voilà. Il suffira de cliquer, comme je disais, ici, pour avoir la totalité des caméras. Vous mettez les 8 ou 9 caméras, comme ça. Et voyez, au début, moi, j'avais celle-ci qui était là, et celle-ci qui était là. Voilà, la 6 et la 7, ou la 7, voilà. Et donc, quand j'étais en 4 caméras, ici, je n'en voyais que 2. Où qu'elles sont mes caméras? Donc, c'est pour ça. Pour avoir les 4 premières, vous prenez... Hop. Ici, la totalité des caméras, et vous mettez 1, 2, 3, et la quatrième ici, voilà, de façon à avoir vos 4 caméras directement en façade. Donc là, pareil, vous cliquez, vous double-cliquez, vous avez votre caméra en mode large. Vous allez pouvoir bien sûr zoomer ici, plus, voilà, toujours vous vous déplacez dans l'écran, moins vous pouvez hop, faire un retour rapide. Donc c'est vraiment hyper complet aussi. Hop, je vais revenir en mode 4 caméras. Voilà. Vous pouvez enregistrer sur le PC ou lancer l'enregistrement du NVR. Dans les options, hop, on a un onglet d'options ici. Donc là, c'est où vous voulez enregistrer vos vidéos. Avec le chemin, langue française, modifier le mot de passe, chemin d'enregistrement, dispositif, auto live view, tout ça, vous cliquez ce que vous voulez, fonctionner au démarrage, si vous voulez que ça se lance au démarrage de votre PC. Hop, paramètres d'enregistrement, hop, le chemin d'enregistrement, la durée du fichier d'enregistrement, voilà, ça c'est vraiment tout simple à configurer, vous mettez ce que vous voulez, vous mettez comme moi si vous voulez,
Moi, ça fonctionne, je suis content. Donc voilà les seules options que vous avez. Et sinon, vous avez quatre petits tiroirs ici. Donc VIPZ, ça c'est quand vous avez des caméras qui peuvent se déplacer, qui est motorisée. Donc là, c'est pour déplacer vos caméras ici. Donc nous, ici, on n'en aura pas accès puisqu'on peut zoomer directement dans l'écran qu'on voit. Paramètres de base, bah ça c'est tout simple. OSD, pareil pour changer l'OSD, la date et l'heure, etc. Donc là, c'est pour les résolutions. Là, c'est pour l'image, la netteté, luminosité, etc. Voilà. Paramètres avancés, ça aussi, c'est les petites options qu'on avait tout à l'heure. Équilibrage, jour, nuit, compensation, etc. Rien de vraiment compliqué. Et les paramètres pour clip vidéo, ça c'est rigolo. Voilà, quand vous activez un clip, donc par exemple je vais choisir cette caméra là, ici, et je vais faire paramètres pour clip vidéo, je vais activer le clip, ça permet juste de choisir ce petit carré qui est là, ici, et de le déplacer pour avoir une vision, ah, par exemple ma serre qui est là-bas, hop, voilà, on a un grossissement de l'image directement sur le petit clip vidéo qu'on a marqué ici. Et vous le désactivez à tout moment pour revenir à la caméra de base. Donc voilà tout ce qu'on peut avoir. Donc bien sûr, vous pouvez prendre un cliché directement ici, soit sur les quatre caméras, tout ce que vous avez à l'écran, soit indépendamment. Vous pouvez prendre enregistrer une vidéo. Donc là, ce sera enregistré sur votre PC si je lance l'enregistrement. Puisque rappelez-vous, sur le NVR, c'est déjà en train d'enregistrer. Donc là, si je veux enregistrer sur PC, hop, je lance l'enregistrement. Et vous voyez, j'ai les quatre petites caméras rouges qui se sont mises ici et qui enregistrent automatiquement. Je rappuie pour stopper, ici. Et là, j'ai mon enregistrement qui est fait. Donc on peut aller jeter un œil tout de suite. Et il m'ouvre automatiquement, voilà, les fichiers vidéo. Donc là, je vais avoir quatre fichiers vidéo. Avec la terrasse, c'est les derniers, hein, terrasse, voiture, enfin chaque caméra en fait enregistrée indépendamment. Donc quatre petits fichiers vidéo. Et on va aller jeter un œil aussi, je vous disais tout à l'heure, à mon email. On va aller dans ma boîte mail ici. Voilà. Car j'ai dû recevoir un message tout à l'heure, Motion Detection from Entry. Donc je clique ici et je télécharge la petite vidéo. Tac. Et je vais l'ouvrir directement. Voilà. Et donc, je pense qu'on devrait me voir faire le cacou. Et voilà. Tac, et je peux ressortir. Donc ça, c'est la petite vidéo que j'ai reçue directement quand je suis allé jouer avec le détecteur tout à l'heure. J'avais mis le buzzer plus l'envoi d'un mail. Ça veut dire que les gens, même quand ils rentrent chez vous, même si ils ont coupé les fils des caméras et qu'ils rentrent chez vous et qu'au pire des cas ils trouvent votre NVR, alors cachez-le, votre NVR, ne le mettez pas en exposition de façon à ce que les gens puissent le voler puisque votre disque dur est à l'intérieur, donc cachez-le un petit peu. Mais j'ai envie de dire, même au pire des cas, s'ils vous volent votre NVR, eh bien vous aurez reçu, si vous avez mis la détection avec alarme, vous aurez quand même reçu les images sur votre boîte mail et ce sera sauvegardé directement. Et ça, on ne peut pas vous voler votre boîte mail. Ou alors, ils sont vraiment très fortiches. Donc voilà, eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ce petit NVR Reolink 4 caméras. Moi, je trouve ça fiable, je trouve ça propre. Les images sont vraiment magnifiques. Donc, vous saurez ce que je surveille. Je vais peut-être les déplacer un peu, je ne sais pas. Mais en attendant, voilà, moi, j'ai fait le tour de ma maison. Donc, même si vous venez me voir, je vous verrai arriver avant que vous me voyez, je pense. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo un peu relou, c'est possible pour certains, ben vous aura plu ou vous aura aidé pour certains. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller dans les commentaires pour ceux qui ont le système ou qui veulent investir dans ce système là. Je dis pas que je viendrai l'installer chez vous, mais je peux toujours répondre à vos questions et vous aider si vous avez des petites galères de programmation ou autre. Donc voilà, merci à vous encore d'être là les amis. C'était lourd comme vidéo, hein. C'était vachement de travail quand même. Mais moi ça me plaît, voilà, ça me plaît de vous montrer ça parce que de nos jours, c'est vrai qu'on n'est pas obligé d'avoir tout ça, mais c'est vrai que ça fait plaisir de se protéger un petit peu. Et encore une fois, quand les gens mal intentionnés ben, voient vos caméras à l'extérieur, voient les autocollants, comme quand vous êtes surveillé 24/24, ben, ça doit en refroidir quand même plus d'un.
même si ça ne les refroidit pas tous, à mon avis, ça doit aider quand même. Donc voilà, merci à vous d'être là, bien sûr, merci à vous de me soutenir encore une fois. Vous le savez, dans la description, vous avez le petit lien pour les dons à ma chaîne, qui aide à racheter du matériel et des produits à tester. Et vous avez aussi le tableau de promos et coupons pour Banggood, évidemment, comme d'habitude, que j'essaye de mettre à jour tous les jours, quand je peux. Moi, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire, surtout, portez-vous bien et à très bientôt dans mes vidéos, j'espère. Ciao, ciao.